Yeah. I see you over there clown walking. Keep it up, man. You got your wobble on. Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr, au réveil évidemment parce que sinon c'est pas marrant. Aujourd'hui on va faire quelques petites modifications sur Firefox 4. Alors la première modification, c'est que donc si comme moi vous aviez Firefox 3, 6 avant Firefox 4, vous saviez que quand vous mettiez un petit nom au hasard, Locan ou Le Monde ou Le Point ou ce que vous voulez, dans la barre d'URL, Firefox venait compléter automatiquement, mettez les petits www au début, ça ils le font quasiment tous, et mettez le petit .fr à la suite, donc locan.fr, lemonde.fr, le point, etc. Et vous, pour n'importe quel site, ça fonctionnait. Donc en fait, c'était basé, vraisemblablement vu l'astuce que j'ai trouvée, sur les résultats de recherche Google, et le truc le plus propice, le plus opportun, le plus adapté au mot que vous aviez tapé, était tout simplement remplacé par l'adresse URL correspondante dans l'URL. Alors pour apprendre à Firefox 4, pour réapprendre à Firefox 4 à faire ça, puisque je sais pas pourquoi entre 3, 6 et 4, plouf, cette fonction a disparu. C'était le truc qui me faisait absolument rester sous Firefox, alors un signe de protestation, je suis passé sous Chrome pendant un petit moment. Et bien c'est super con, il vous suffit tout simplement d'aller faire un petit About Config. About Config c'est quoi? C'est tout simplement là que sont cachés tous vos petits réglages de Firefox. Alors, vous allez dans About Config, ici, vous avez dans le petit champ de recherche, vous tapez filtre URL, vous venez chercher keyword URL, point URL, et vous venez faire un petit double-clic dessus pour remplacer par ce petit texte, google.com, search, donc vous regardez l'article, la vidéo, l'article juste en dessous de la vidéo, pardon, et il y a ce petit texte dessus, et vous venez donc tout simplement remplacer par ceci. Donc maintenant, quand vous allez taper une recherche, par exemple, Locan, au hasard, vraiment, hop, boum, ça vous met tout simplement Locan.fr. C'est pas beau, c'est de la technologie, c'est superbe. Donc ça on va réduire parce qu'on s'en fout. Ensuite, moi il y a un truc qui me dérange dans Firefox, c'est ça, là, la recherche Google. Surtout vu qu'on vient de mettre ça en place, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Donc ça, on va tout simplement le dégager. Affichage barre d'outils personnalisé. Là c'est rien d'extraordinaire, vous prenez ça, vous le mettez là, poum, merci, au revoir. Et comme dans Chrome, d'où le titre de l'article, vous vous retrouvez avec une grande barre d'URL. Si jamais, au lieu de taper... Justement, encore une fois, et purement au hasard, bien entendu, Locan ici. Vous voulez faire une vraie recherche Google. Et bien, tout simplement, donc le raccourci pour accéder à cette barre ici, c'était commande K. Vous faites tout simplement un commande K. Et là, au magie du direct, votre moteur de recherche par défaut apparaît. Et vous avez juste à taper la recherche que vous vouliez faire au début. Et vous arrivez ici. C'est juste tout beau, tout neuf, tout superbe, tout ce que vous voulez. Ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Il suffisait juste de se pencher un peu dessus. Petite astuce du matin, c'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Alors, je vous préviens aussi, comme je suis en itinérance, il n'y aura pas, donc de musique à la fin de cette vidéo, puisque j'ai pas ma bibliothèque iTunes sur moi. Et le podcast iTunes ne sera mis à jour que quand je rentrerai sur Grenoble, puisqu'ici nous sommes à Toulouse et que je n'ai pas l'iMac avec tous les fichiers de podcast pour pouvoir faire la mise à jour du podcast Tutune. Il faudra donc attendre vendredi. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. À très vite, Adichat.